Montrer à sa moitié à quel point on l'aime à travers un cadeau. Pour la Saint-Valentin, les tourtereaux du monde entier redoublent d'efforts pour prouver ô combien ils tiennent à leur moitié. Fini les ensembles de sous-vêtements masculins comme féminins, la tendance est aujourd'hui au bouquet sur mesure en vivres ou en billets de banque, à l'image des créations de grâce étudiantes en marketing. Donc pour la confection de nos différents bouquets d'argent, nous utilisons des billets de banque. Suite à cela, nous aurons des piquets en bois. Ensuite, nous avons des rubans. Après avoir mis le papier fleuriste pour emballer le bouquet, nous utilisons ces rubans pour donner plus de pêche, plus de glamour. Nous utilisons aussi des roses. Ça, c'est selon la demande du client, soit des roses naturelles, soit des roses synthétiques. Pour l'obtention des différents nouveaux billets, nous nous rendons à la banque avec nos différentes relations que nous avons pour pouvoir les obtenir pour fabriquer nos différents bouquets. Des bouquets qui, s'ils paraissent simples à réaliser, nécessitent un certain savoir-faire que Grâce tient à garder secret. Je me suis lancée dans la confection des bouquets d'argent parce qu'il y a ma communauté qui me demandait le plus souvent « Ah Miel, est-ce que tu ne fais pas des bouquets? Est-ce que tu ne confectionnes pas des bouquets ?» Et après analyse, j'ai décidé de me lancer et ça m'aide assez sur mes différents revenus à chaque fin du mois. Nous faisons aussi des box de chocolat, de parfum, de t-shirts, de polo. On adapte en fait les différentes box selon le goût des clients. Donc, nous sommes en même temps une parfumerie et une petite boutique de surprises. Pour les commandes, nous recommandons à notre clientèle de nous contacter 2 jours avant avec leur choix en nous laissant leur lieu de livraison et leur numéro. Même combat pour Charlène Bleu, créatrice de Mon Bouquet Idéal. Je cherchais une activité dans laquelle j'allais être épanouie et qui allait me permettre de bouger aussi. C'est comme ça que j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit pourquoi ne pas essayer les bouquets de fleurs. Donc, c'est comme ça que tout est parti. Et j'ai aussi décidé de voir les bouquets pour toutes les couches sociales. Voilà. À l'approche du jour fatidique, les commandes s'enchaînent sans pour autant se ressembler et certaines ont des origines très romantiques. Un monsieur qui nous a contactés à 7 jours de la Saint-Valentin afin de livrer un bouquet chaque matin à sa femme. C'est-à-dire, on va livrer tous les jours jusqu'au 14 février. Donc voilà, on a fini le bouquet. Tout est là, il y a le mot qui va avec. Les commandes se font la veille. On a notre page Facebook, on a notre WhatsApp et on a TikTok. Même si les jeunes dames n'ont pas encore atteint les résultats escomptés, elles n'hésitent pas à redoubler d'efforts et de créativité pour offrir à leurs clients une Saint-Valentin magique.